Mort de couille. Ok. L'histoire remonte à l'an de grâce 1123. En ce temps-là, on raconte qu'une terrible sorcière, la sorcière de Malcombe, se met la terreur sur le fief de Montmirail. C'était une ennemie jurée du comte Godefroy de Montmirail, qui l'avait chassée de son château. Pour se venger, la sorcière avait dérobé la relique de Sainte Rolande, relique qui devait apporter une bonne fertilité au mariage prévu entre Godefroy et sa promise Frénégonde. La sorcière utilisa les couloirs du temps pour cacher la relique au XXe siècle. Ensuite, elle voyagea à nouveau à travers le temps pour se rendre au château de Montmirail, juste après la mort de Godefroy, pour y disséminer des objets du XXe siècle. Ces objets modernes en plein Moyen-Âge provoquèrent une grande malédiction sur la lignée des Montmirail et sur le château qui fut investi par des esprits malfaisants. Après son retour du futur, la sorcière de Malcombe fut finalement capturée par Godefroy de Montmirail, qui la tua d'un jet d'arbalète en pleine tête. Pour retrouver les objets déplacés dans le temps, Godefroy de Montmirail, aidé de son fidèle écuyer, Jacouille la Fribouille, bénéficia de la science du mage de Zébius, qui concocta une potion pour voyager dans les couloirs du temps. Godefroy partit pour l'an 1164 pour retrouver les objets disséminés dans son château. Et Jacouille, de son côté, partit pour le XXe siècle, afin de ramener la relique de Sainte Rolande et permettre ainsi à Godefroy d'épouser sa douce Frénégonde.